Charlotte Durkheim, c'est quelqu'un qui vient du One Man, ouais. à la base. Son premier One Man avait été écrit par Coluche. Et bah, on se croise sur cette première pub, on fait une web série. Ah, c'était la première rencontre. Oui, hein, voilà, comme ça. Après, bon, bah, on échange, on fait des plans, on échange 2-3 conneries, on se fait rigoler. Les Actuvars, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. D'autres actualités également, Antoine Chomsky. Alors, c'est vrai que Charlotte de Turckheim vous propose de coécrire son film Mince alors 2. Qui sort en décembre prochain, hein. Vous jouez d'ailleurs son amant. D'ailleurs, votre rencontre avec l'actrice, elle s'est faite grâce à une pub télé. Et on va écouter tout de suite cette pub atlantique. Antoine, je voudrais chauffer ma maison et mon eau en préservant mon portefeuille et un peu la planète. Oui, Charlotte, vous voulez un appareil utilisant des énergies renouvelables? Bah oui, pilotable avec votre smartphone. Qui chauffe votre maison. Et le bain de votre petit-fils. Oui, je veux exactement. Vous voulez une pompe à chaleur atlantique? Oui. Atlantique, c'est une marque française. Antoine n'assume pas du tout. Vas-y Antoine. Eh, très bonne voix de pub en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu fais une pub qui passe en télé, c'est que t'as beau avoir, parce que je fais ce métier depuis très longtemps, j'ai fait des trucs d'humoriste, des émissions, des ruquiers, des trucs YouTube, avec plein de choses, tu vois. Mais quand tu fais une pub, la pub lessive tout le reste. Et c'est-à-dire que quand on te croit, c'est « Hey, c'est le truc Charlotte, là, le chauffage là !» Et tu fais Atlantique, oui, ma carrière, une vie, quoi. Ça me fait penser aux pubs, je sais pas si tu connais le donjon de Nalbuck. Bah évidemment, j'ai coécrit les donjons de Nalbuck, ah ouais, en série d'anime, et j'ai fait les mots aussi sur le donjon. Ouais. Trop bien. Et donc suite à cette rencontre, on peut dire, alors pas, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a ce projet de film, Mince alors 2. Hein. Bah c'est, en fait, c'est Charlotte Durkheim, c'est quelqu'un qui vient du One Man, ouais, à la base. Son premier One Man avait été écrit par Coluche. Et bah, on se croise sur cette première pub, on fait une web série. Ah, c'était la première rencontre. Oui, hein, voilà, vraiment. Comme ça. Après, bon, bah, on échange, on fait des plans, on échange 2-3 conneries, on se fait rigoler. On dit, ah, le duo, il fonctionne bien, on va faire les pubs radio. Ah, le duo, il fonctionne vraiment bien, on va faire les pubs télé. Donc, bon, bah, on est amené à se voir souvent. Et puis, on échange les anecdotes. Moi, à l'époque, je faisais encore du stand-up et on échangeait le fait que, bon, le one man, il y a ce truc très jouissif de faire rire les gens, mais il y a ce truc très seul d'être en tournée et ça commençait un peu à nous peser d'être avec tout ça, avec ton régisseur, une table en formica, ouais, dîner le soir après avoir fait marrer les gens. Ouais. Donc, et puis elle va voir un peu ce que je fais et puis elle me dit, bah, écoute, là, sur mon prochain film, je cherche un dialoguiste pour puncher un peu les vannes et tout ça. Et puis bah, je me retrouve à co-écrire le film avec elle comme ça. Incroyable. Et à jouer son amant donc.